Bonjour à tous. Je m'appelle Evie Van Herck. Chez Klarna, je suis Head of North of France et Belgium. Je viens de Belgique, comme vous pouvez l'entendre probablement. Et nous sommes ici pour parler de notre partenariat avec Tikamoun. Et donc moi, c'est Soraya Deloart et je suis directrice marketing chez Tikamoun. Voilà. Donc, Klarna, avec une base de 150 millions de clients dans le monde mis à disposition. Donc, comment est-ce qu'on a travaillé ensemble comme un partenariat avec Tikamoun, avec notre base de consommateurs? Alors, je vais commencer en vous parlant un petit peu de qui sommes-nous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la marque, nous sommes un acteur européen du mobilier en bois massif durable. On fait du meuble monté, c'est-à-dire qu'on a la particularité sur le secteur du mobilier de livrer des meubles en une pièce et d'un tenant. Vous ne trouverez pas de meubles en kit chez nous, vous ne devrez pas monter les meubles, vous aurez juste parfois un peu de piétement à monter sur certains meubles, mais c'est assez marginal. On est présent sur 6 pays aujourd'hui, bientôt 7, donc la France qui est notre marché principal, l'Allemagne, le UK, l'Italie, l'Espagne et la Suisse, et on va ouvrir cette semaine les Pays-Bas. Voilà, donc on est à peu près 200 à travers le monde, ce qui nous réunit c'est qu'on est des passionnés. On est des passionnés du bois, on est des passionnés du digital. Voilà, donc ça se ressent dans toutes les directions de l'entreprise. On a pour motto l'excellence et la bienveillance. On essaye de faire des meubles empreints d'authenticité dans le respect de la planète et des hommes. Donc voilà, et on est une DNVB. On est situé à Anglo, donc on est effectivement du Nord. On a commencé en 2008 avec une boutique eBay. Donc on est vraiment très digital et voilà, donc ça fait partie de notre ADN en fait. Vraiment, c'est quelque chose de très très fort, ce qui explique aussi notre partenariat qu'on va vous détailler un petit peu plus. Donc Klarna, hein, comme moteur de croissance des marques et des retailers. Qui est Klarna? Klarna a été fondée en 2005 en Suède par notre PDG Sébastien Siemiatkowski. Klarna offre des méthodes de paiement flexibles qui permettent aux consommateurs de payer en toute sécurité, très facilement, comme et quand ils le souhaitent, mais aussi partout, donc en ligne, en magasin, dans l'application Klarna. Nous travaillons avec plus de 400 000 partenaires dans le monde et aussi avec presque 80 000 de partenaires en magasin. Donc, par exemple, avec Decathlon, on a un partenariat international omnicanal en Allemagne, en Royaume-Uni, en Suède et Italie. Nous avons notre base de 150 millions de consommateurs dans le monde, comme j'ai déjà dit, et nous avons aussi notre propre application shopping. Et c'est vraiment un endroit où nous pouvons connecter les marques avec cette base de 150 millions d'utilisateurs. Ce n'est pas une place marché, mais vraiment un endroit où nous pouvons connecter les deux. Notre application a été téléchargée plus de 60 millions de fois, mais aussi très intéressant, c'est que 24 millions sont des utilisateurs mensuels actifs de notre application. Et ça veut dire que nous avons une communauté très loyale et engagée. Nous sommes une banque et nous travaillons avec plus de 6 000 personnes. Les deux dernières années, on est vraiment évolué d'un fournisseur de paiement vers un partenaire de croissance offrant des outils de marketing se concentrent sur l'acquisition de nouveaux consommateurs et aussi l'augmentation de taux de conversion. Allez, ça, c'était trop vite. Ah, voilà. Quelques marques avec qui nous travaillons, internationales, mais aussi en France. Donc en France, on s'est lancé il y a un an et demi et on a déjà presque 7 millions de consommateurs dans notre écosystème Klarna et aussi presque un million de consommateurs ont déjà téléchargé notre application de shopping. Nous travaillons avec des entreprises françaises,
Oui, internationales comme la Redoute, Showroom Privé, Ticamoun bien sûr, Kiabi, mais aussi en France comme avec Pimki, Lacoste, Bash. Donc on travaille déjà avec 5000 de marques, de partenaires en France. Comme j'ai déjà dit, nous se concentrons vraiment sur sur tout le parcours client et on est vraiment évolué d'un partenaire de paiement vers un partenaire de croissance et on offre des outils de marketing qui se concentrent sur l'acquisition de consommateurs mais aussi sur l'augmentation de taux de conversion. Comment nous nous concentrons sur les trois parties de parcours de client? Avant le check-out, au check-out et après le check-out. Avant le check-out, nous offrons des outils concentrés aux nouveaux consommateurs. Notre application, où on offre de visibilité des marques à notre base de consommateurs, comme avec Ticamoun. Mais il y a aussi des outils de messages qu'on peut présenter sur site, concentré sur le taux de conversion, mais aussi sur le panier moyen. Il y a notre méthode de paiement au checkout, bien sûr. Donc, il y a le paiement différé, il y a le paiement après, dépendant des besoins de consommateurs et de pays. Et dans l'expérience post-achat, il y a vraiment nous nous concentrons sur la satisfaction du client, parce que c'est hyper important pour nous aussi, comme aussi pour Ticamoun, et aussi sur rediriger le trafic sur les sites de nos partenaires. Donc c'est vraiment un écosystème avec beaucoup d'outils qu'on peut offrir à nos partenaires. Je vais enchaîner et vous raconter un peu ce qu'on a fait avec Klarna. En fait, pour nous, c'était une évidence de travailler avec Klarna, notamment pour le marché allemand. Les facilités de paiement et la méthode de paiement Klarna est un standard du marché, un vrai must-have. Donc, on ne peut pas se passer de ce moyen de paiement-là. Donc, on a commencé par travailler sur l'Allemagne en activant le Klarna, ce qui nous a permis aussi de réassurer nos clients. Il faut savoir qu'on n'a pas la même notoriété en Allemagne qu'en France, donc afficher le logo Klarna ou mettre des co-messages sur le site, ça permet aussi de gagner en crédibilité et d'être un gage de qualité pour les consommateurs. Donc on a commencé par l'Allemagne, on a ensuite développé le UK. Et on va bientôt lancer la Suisse et les Pays-Bas prochainement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de la méthode de paiement et de toute la partie réassurance qu'on peut avoir, il y avait un aspect, comme je vous l'ai dit, on est très, très digital chez nous, et la partie co-marketing, co-branding sur les campagnes marketing avait un aspect très intéressant pour nous. Donc on a décidé de tester des campagnes en co-branding sur l'Allemagne. Donc on a testé du remarketing sur des campagnes en social ads et en display, donc uniquement sur l'Allemagne, ce qui nous a permis, par rapport à nos campagnes habituelles, de voir qu'on avait des engagements qui étaient plus importants. Donc grâce à la communauté de Klarna, on a eu des utilisateurs qui étaient beaucoup plus engagés. Donc on a observé un taux de conversion qui était légèrement meilleur que ce qu'on avait l'habitude de voir sur nos campagnes classiques. On a aussi observé des utilisateurs qui étaient plus engagés, donc notamment avec des taux de rebond qui étaient plus faibles qu'habituellement. Donc c'était assez intéressant pour nous. Aujourd'hui, on l'a testé, je pense qu'on va le retester sous d'autres formats. Il y a tout l'aspect aussi communautaire sur la partie affiliation, la communauté qui est quelque chose de très important chez nous, qu'on voudrait tester par la suite, pour voir si les campagnes performent aussi bien que ce qu'on a pu tester au préalable. Voilà, et c'est aussi très important dans l'expansion européenne, parce que dans le scope de pays qu'on veut ouvrir et les intentions qu'on a, on sait que Klarna est un partenaire qui va nous accompagner sur certains pays et réassurer nos clients. Voilà, et on a observé aussi des retours sur investissement de 3,2 pour 1, donc ce qui est assez significatif et intéressant.
Au-delà de ça, et on voulait réinsister dessus, on partage des vraies valeurs communes. On a la chance aujourd'hui d'être dans un écosystème digital où on peut choisir nos partenaires, et travailler avec l'ANA, ça a été très important pour nous. Je vous l'ai dit, chez nous, l'excellence et la bienveillance sont vraiment notre motto. On sait que l'ANA travaille aussi dans cette dynamique-là, avec une vraie volonté de présenter des choses qualitatives auprès de sa communauté. On a une dimension environnementale aussi qui est très importante pour nos deux entreprises, et on est très customer-centric, la voix du client est primordiale et très importante pour nous, et on se doit de s'adapter au maximum. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur les valeurs ou autre. Non, c'était très complet, je suis d'accord. Aussi, c'était toujours un partenariat avec une vision long terme. Donc on a vraiment échangé beaucoup de fois, c'est un partenariat, donc aussi au niveau de collaboration, notre équipe Klarna connaît tous les départements de Tikamoun, donc on a une équipe Klarna avec 5 personnes, chaque personne avec son expertise, et donc notre responsable technique pour l'intégration se connecte très bien avec les départements chez Tikamoun, et aussi le département marketing est en conversation avec notre responsable de marketing, donc ça fonctionne très bien. Et oui, voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à explorer ensemble et ajouter. Donc je pense que le partenaire croissance est vraiment mot-clé, et oui, il reste encore beaucoup d'activation de co-marketing ensemble aux pays différents. Et ne pensez pas que ce n'est qu'un moyen de paiement. Il y a beaucoup plus de possibilités, que ce soit de par les campagnes de marketing et aussi la communauté, où on a des éléments à aller chercher et à aller activer, surtout dans l'écosystème actuellement. Oui, donc par exemple en France, on offre le paiement fractionné, aussi en Italie et Espagne ensemble, mais il y a aussi le paiement après, ce qui va lancer en France, mais aussi qui est disponible en Allemagne. Et même en Allemagne, il y a le financement disponible sur le site Tikamoun. Donc c'est vraiment oui, sur le besoin de pays et de consommateurs locaux. Et je trouve ça, c'est très unique de notre partenariat aussi. Oui, et donc on va lancer encore des pays ensemble. Des nouveaux pays, ouais, complètement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup.